Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'empêcher la condensation quand je mets l'œuf chaud dans un récipient plus froid. Les œufs sont à quelle température? Ils sont à 37,2. Ah. Oui, c'est pas évident. Je t'ai emprunté ton sèche-cheveux la dernière fois. Ah oui, je m'en souviens. Désolé. Donc si ça marche pas, j'en aurai encore besoin, d'accord? Ok. Super, merci. Tu veux voir les 5 premiers jours? Oui. Ok. C'est parti. Le premier jour, il se passe pas grand-chose. Son cœur commence à battre. C'est fou. Vous avez vu? C'est dingue. Pour que ça devienne un poussin, il doit se passer encore beaucoup de choses. Mais on dirait le delta d'une rivière. C'est sûrement similaire à notre évolution à nous. Oh non. Il y a eu un problème. Bon, alors, les œufs enveloppés dans du cellophane ne se comportent pas très bien. Il y en a 2 sur 3 qui ont échoué, et le troisième est sur le point d'échouer aussi. Tu veux qu'on en regarde un ensemble? Oui. Ça, c'est pas normal. Jeudi, hier, il est tombé à 31 degrés. Il y est resté combien de temps? 12 heures. Pourquoi il a baissé autant? Mince. Il est 3h15 du matin et il y a eu plein de problèmes cette nuit. Ça a rouillé de partout. Berk. L'un des humidificateurs s'est arrêté, l'humidificateur de secours n'a pas pris le relais. Il faisait 8 degrés de plus que la température voulue dans l'une des cuves et j'ai passé toute la journée à essayer de trouver une solution. Je crois que j'ai résolu tous les problèmes. Celui-ci a 12 jours.